Intro de psychopathe pour un jeu de psychopathe. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour le vidéotest de Dragon Ball Z Budokai 2, sorti en 2005 sur GameCube, mais sorti bien avant sur PS2, je crois que c'était en 2003. Et donc on est parti. Et ce Budokai 2 a beaucoup... pour ceux qui avaient Budokai 1, il y a beaucoup de rajouts là dans ce Budokai 2. Bah, par exemple le mode vaisseau de Badidi, un mini-jeu qui remplace, on va dire, celui de Satan qu'on avait dans Budokai 1, mais je vais pas trop vous spoiler pour Satan parce qu'on fera un vidéo défi là-dessus. Et il y a le championnat du monde comme d'habitude, bah, le mode duel c'est classique pour les jeux de combat. Dragon World, bah, c'est le mode histoire, assez spécial, faudrait que je vous le montre. 2-2, mais bon, vraiment 2-2, hein, vraiment 2 secondes, parce qu'on fera un défi là-dessus, bien sûr. Alors que là, vous voyez que je suis déjà à la fin, c'est déjà un gros spoil, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Alors déjà, il y a des Dragon, comment ils appellent ça déjà, le radar des Dragon Ball, qu'on peut récupérer. Puisqu'en fait on peut trouver les Dragon Ball qui sont quelque part, les boules de cristal si vous préférez, la version française. Donc ils me disent que c'est ici. Alors ils me disent que c'est sur le... que c'est là où il y a le Kai qui diminue. En fait des fois il y a des cases comme ça où le Kai diminue. Ou aussi des cases où on commence par 0 en Kai, comme sur le Cyberman bleu. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de Cybermen bleu, ni de rouge d'ailleurs, hein, ni de rose, vert fluo, jaune. Enfin bon. Le mode histoire, faut dire ce qu'il en est, il ne respecte pas du tout la série. Il se veut être imprévisible, hein, ce mode histoire. Bref, on verra toutes les surprises de ce mode histoire dans le défi. Donc là, je suis pas en mode difficile, je crois, non, je sais pas. Mais dans le mode défi, je mettrai en super hard. Et on essaiera comme ça, mais franchement, je vous garantis rien. Je suis pas sûr de réussir. Mais bref, alors, oui, il y a le radar de Dragon Ball. En fait, si on récupère les 7 Dragon Ball, et ben on peut et qu'on finit le mode Dragon World, qu'on finit le mode histoire, en gros, et bien on a le droit à un vœu. Et on peut soit débloquer une technique qui s'appelle percer. C'est ce qui débloque toutes les techniques du personnage comme Sangoku. Attends, c'est quel bouton déjà pour voir ces techniques? Ah, ça date tellement. Ah ouais, c'est peut-être R. Voilà, enfin. J'ai trouvé le bon bouton. Donc voilà, percer qui permet de débloquer toutes les techniques du personnage. Voilà, c'est toutes les techniques du personnage. Bien sûr, ça prend tout le tableau. Parce que regardez, on peut... placer quelques techniques, par exemple Potara, Vegeto et Potara Gohan, Gotan, ce sont des fusions. Potara Gotan, c'est la fusion avec, c'est la grosse surprise, c'est la fusion, je vais vous la montrer de toute façon après, de Monsieur Satan avec Sangoku. Rien que ça, hein. Monsieur Satan avec Sangoku, c'est du grand WTF. Et Vegeto, bah, vous connaissez bien sûr cette fusion si vous connaissez la série, voilà.
Vegeta et Sangoku, tout simplement. Les deux rivaux. Et bah donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Bah après, il y a Gilet Général, par exemple. Ça, on peut appuyer sur X pour voir les personnalisations. Enfin, à quoi ça sert. Force de garde augmentée, voilà, on a une meilleure défense. Voilà, seul Goku, Goten, Krillin, Tenshin Han et Yamcha peuvent l'utiliser. Gilet d'entraînement, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, il y a quelques trucs qui nous donnent quelques bonus, ou par exemple maladie du cœur, où ça fait perdre de la vie à notre personnage, mais aussi à l'ennemi. Donc ça peut être intéressant pour battre Bou, par exemple. Bou petit qui est une vraie teigne. Voilà. Et ça va être vraiment dur en très hard. Le point Zanku, bah ça c'est une petite technique que bah, pas mal de persos ont. Il n'y a pas que Goku. Et donc voilà, on va remettre le... Enfin, je vais pas avancer là. Je vais juste peut-être battre un petit Sabaiman, mais bon, après, on va pas aller plus loin parce que bon, le spoil, ça suffit quoi. Ah, et aussi quand on appuie sur Z, on voit nos statistiques, enfin surtout nos caractéristiques plutôt, la défense et l'attaque, il y a que ça. Mais en même temps, c'est pas un RPG. Et au départ, on commence toujours avec 100 en attaque et 100 en défense. Même comme Bou, qui est totalement cheaté. Enfin, voilà. Et comme vous pouvez voir, il y a des épées qui nous permettent de restaurer de la puissance, donc d'avoir une meilleure attaque quoi. Enfin, vous voyez, il y a le symbole épée même pour l'attaque. Mais pour la défense, c'est l'armure des Saiyans. Et donc voilà, c'est pareil, il y a aussi l'armure des Saiyans en bas pour la défense. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Et surtout qu'on a vraiment... La plupart du temps, on a vraiment besoin de ces trucs-là, quand même. Surtout contre Bou, quand même, encore une fois. Même en facile, il est dur, quoi. C'est un truc de fou, ce Bou. Et sinon, vous allez voir, voilà, quand on associe deux personnages... ensemble, des fois, ils peuvent avoir un petit bonus, comme Sangoten et Trunk. Et surtout, je vais vous dire pourquoi j'ai pris Sangoten et Trunk ici. C'est parce que ces deux-là, ils ont... sont très rapprochés, voilà, l'un de l'autre. Ce sont des potes, et donc quand on les met ensemble, ils gagnent carrément 30 en défense, je crois, 30% en défense en plus pour Sangoten et 30% en attaque de plus pour Trunk. Et le truc complètement cheaté, c'est que après Sangoten, je lui fais prendre tout dans ce niveau-là, je lui fais prendre tout, toutes les caractéristiques, tous les trucs qu'on voit, bouclier de Saiyan, attaque, tout ça. Et même quand on débloque l'épée là, juste à gauche, il a une meilleure défense, je crois, un truc comme ça. Non, attendez. Non, c'est juste quand on bat Freezer et Cell, oui, Freezer et Cell vont apparaître, hein, tout à fait logique, hein, sur la planète Kaioshin. C'est... Non mais, c'est tellement bien repris de l'animé, hein, vous savez. Bon. Et après, je me retrouve avec un Sangoten avec 210 de défense, voilà. Et après, bah, je me confronte avec Bou, et là, c'est très facile. Il me défonce, il me fait n'importe quelle attaque, ça me fait, la plupart du temps, zéro de dégâts. Voilà, c'est complètement cheaté. Parce que lui, il est aussi cheaté, donc je me venge. Voilà, c'est la vengeance. Mais bon, je ferai pas ça dans le défi, puisque je voudrais être le plus possible... Comment, le plus possible... Ah, j'ai perdu le mot. Fidèle, voilà. Je voudrais être le plus possible fidèle au manga... Et donc, bah, utiliser des personnages qui normalement devront être là, voilà. À ce moment-là. Mais donc, on va quitter. Parce que là, ça sert complètement à rien. Et. Parce que je vous ai à peu près tout dit pour le mode histoire. Et donc, il y a plusieurs niveaux qui reprennent l'animé, voilà. Enfin, qui reprennent très mal l'animé. Et que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce bug? C'est la première fois que ça m'arrive? La Wii a planté. Bon bah on se retrouve quelques secondes après. Comme on se retrouve, bien sûr je n'ai pas compris à ce bug qu'il y avait eu avec cette espèce de plantage, on voyait que plus que le fond d'écran. C'était très chelou. Et aussi j'ai déjà fait la deuxième partie de Dragon Ball Z Budokai 2.
Le problème, c'est qu'après, ça me mettait que le fichier était introuvable et donc je dois le refaire. Donc voilà, c'est un peu pénible. Donc en parallèle, j'ai déjà fait le vidéo test de Budokai 1. Et lui, c'est bon, il a pas bugué. Voilà, c'est très pénible. C'est la clé USB qui a bugué. Donc alors, où j'en étais, c'est ça fait un petit moment. Donc oui, nous avons parlé de Dragon World dans la première partie. Donc là, nous allons parler maintenant de dashboard. Je vais vous montrer les modifications techniques. Vous voyez que je suis à 89%. Donc ce qui est très difficile déjà d'aller jusqu'ici. J'ai fait beaucoup d'heures de jeu. Et on va dans les bazars techniques pour acheter de nouveaux trucs. Et quand on part et qu'on revient, des fois il y a Bulma, voilà, qui change de tenue. Et en fait, ça c'est des tenues qu'on a achetées pour Bulma. Et c'est pour qu'elle nous vende plus de choses inédites, voilà. Plus de capsules inédites et rares. Donc voilà pourquoi des fois il y a marqué tenue de Bulma ou un truc du genre et qu'il faut acheter, voilà. Mais c'est assez cher. Et les ennemis, on les gagne en faisant le tournoi du monde, voilà. Que je vais vous montrer après. Liste et technique. Ça c'est pour regarder, consulter toutes nos techniques, voilà, bon. Et modif capsule, voilà, ça c'est le plus important. C'est pour... il faudrait aussi que je vous montre ça, la vaisseau de Freezer, c'est pas mal comme truc. Faudrait que je vous montre. Mais voilà, là c'est les personnalisations des capsules, des modifs. C'est qu'en fait, par exemple, Sangwan adulte, et bah, si on le prend, si on fait modif à chaque fois et qu'on change, quand on est dans le menu du mode VS, eh bien à chaque fois on sera obligé, si on veut pas avoir percé, à chaque fois on sera obligé d'effacer percé et rechanger machin. Et pour arrêter de faire ça, et si on veut, je sais pas moi, par exemple pour Goten par exemple, si on voudra qu'il soit toujours en mode fusion, on enlève tout ça et on sauvegarde ici. Voilà, ça a sauvegardé tout seul quand on fait B. Et vous allez voir que par la suite, eh ben, on nous mettra de base fusion, voilà, sur le mode VS. On n'aura pas à changer à chaque fois. C'est ça que je veux dire, donc ça sauvegarde en fait les modifications qu'on fait. Alors que quand on fait des modifs sur le mode duel, par exemple, ça sauvegarde pas. Donc faudra le refaire à chaque fois. Donc voilà, c'est un peu relou. Mais bon, c'est mieux que foutu que dans Budokai 1 où il n'y a pas ça. Dans le mode duel, on peut carrément rien faire. On peut pas... Quand on met mode modif, et bah c'est juste ce qu'on a modifié dans le bazar technique et pas dans le mode duel, on peut rien faire. Juste sélectionner modif. Alors que là c'est quand même mieux foutu dans Dragon Ball Z Budokai 2. J'espère que vous avez un peu compris quand même. C'est un peu tiré par les cheveux, et là le mode Badidi qui remplace le mode Hercule, enfin Monsieur Satan, qui est le mode Badidi, c'est moyen. Là c'est par exemple battre un adversaire plusieurs fois mais à chaque fois il se relève. Là c'est la même chose, on va faire celui-là, on va s'amuser, avec Freezer, qui a deux vies, oui carrément deux vies, parce que vous allez voir, dans sa modification technique, voilà, vous allez voir, vaisseau de Freezer, et si on regarde, oh purée, je me suis planté de bouton, et si on regarde la modification de Freezer, où est modification de Freezer? Je ne la trouve pas. Bon, modification de Freezer est introuvable. vaisseau de Freezer plutôt, je veux dire. Qu'est-ce que je raconte avec modification? Donc on va prendre Sangoku. Et avec ça, et ben on peut carrément ressusciter, voilà. Et récupérer toute notre vie. Donc on va combattre sur Namek. Et il y a d'autres mini-jeux, et aussi un mini-jeu où on combat notre ennemi, mais faut résister le plus longtemps possible. Parce que lui, il a des vies à l'infini. Un peu comme là, sauf que là, on le tue, en fait, plusieurs fois. Sinon, il y a un autre mini-jeu où on balance des boules Kiko-Koa. Vous allez voir, je vais vous montrer après. Là, il est un peu pourri au début, mais après, il va devenir assez costaud. Voilà, c'est vite fait, hein, je le défonce.
comprend rien sa life. Alors, les combats sont toujours très pécheux et je n'arrive pas à le toucher. Après, je vous montrerai les fusions. Bon, je vais faire exprès de me faire toucher parce que ça, sinon ça va être assez long. Je vais vous montrer la technique de Freezer. S'il veut bien se faire toucher aimablement, si ça se dit. Ah, allez, Freeze, allez, Sangoku, n'aie pas peur. Bon, ça va être plus rapide si je le tue parce que il a d'autres tensions là, il va devenir plus fort après. Ah. Bah, allez, touche-moi, touche-moi. Il faut d'abord qu'il me tue pour que je vous montre sa magnifique technique à Freezer. Mais t'es complètement cheaté, hein. C'est overpower. Parce qu'en plus de ça, il va plus perdre de Kai, puisque là, en fait, il perd un peu de Kai, vu qu'il est en forme ultime, Freezer. Mais à côté de ça, eh ben, on n'a pas les deux formes avec Freezer. Et on n'a pas la forme de base. On a que cette forme-là. Contrairement à Budokai 1, bah, qui s'est mieux repris, je trouve. Voilà, on se fait tuer. Et la magie vaudou. Et voilà, Freezer devient Mecha Freezer. C'est comme ça qu'on débloque Mecha Freezer. Là. Nouveau personnage. Bon, en fait, c'est juste Freezer, mais les mêmes coups, sauf que il est un peu plus puissant. Comme l'histoire des Super Saiyans. Et il est... Qu'est-ce qu'il a en plus? Bah si, il ne perd plus de Kai maintenant. Voilà. Allez, on va faire boule de la mort. Je sais pas si je l'ai. Ah si, boule de la mort. Car c'est tellement bien fait. Voilà. Les animations sont tellement bien foutues. Alors, je crois qu'il faut tourner à mort. Ah non, non, c'est pas encore ça. C'est là. Voilà. Il faut déboîter les sticks en deux. Pour défoncer notre pote Sangoku. Voilà. Et le problème c'est que voilà, comme vous pouvez le voir là, c'est pas destructible. Si on faisait une attaque comme ça dans Budokai 1, et bah on serait carrément sur un cratère, alors que là bah, pas du tout, ça reste normal. Sinon il y a le mode entraînement qui est beaucoup plus travaillé que le mode entraînement dans Budokai 1. Cette fois-ci, voilà, on a plusieurs chapitres sur, par exemple, entraîne-toi à réaliser les attaques ultimes spéciales, voilà. En fait, c'est des entraînements, c'est pour connaître les bases, quoi, en gros, de Budokai 1, et 2, et 3. Connaître les bases des Budokai. Et il faut surtout commencer par là si on n'a jamais joué à un Budokai, hein, parce que au début, on est un peu paumé, surtout quand... Faut savoir qu'il faut faire B et deux fois arrière pour recharger son Kai. Ce qui est très étrange hein, au premier abord. Contrairement à un Tenkashi, tu essayes tous les boutons, tu trouves forcément au bout d'un moment, c'est juste bouton Z. Donc là, on va faire un petit mode duel, je vais vous montrer, ou alors peut-être pas un mode duel, si revenir dans l'entraînement et je vais vous montrer quelques techniques qui sont vraiment classe, vraiment bien faites, parce que pour vous montrer à quel point les animations sont très bien travaillées et très fluides. On va prendre Sangoku avec Potara Vegeto, non, Potara Goten, voilà. Les Potara, c'est les boucles d'oreilles qu'ils mettent, et sachant que quand ils mettent une Potara, et bah, la fusion est dure tout le temps, voilà. Contrairement à une fusion classique où ils font un geste ridicule pour fusionner. Ils font les majorettes. Comme Sangoten et Krillin. Trunk. Qu'est-ce que je raconte? Donc on va enlever le... Si je peux, je ne sais pas si on peut. Ah voilà, enlever l'affichage parce que ça rend assez moche. Et je vais vous montrer la fusion de Sangoku avec Monsieur Satan. Eh oui. Le grand, le vainqueur, le puissant Monsieur Satan. Sa force incroyable, ça décupe vraiment à fond la force de Sangoku là. J'adore quand il dit oh merde. C'est du genre ça en fait.
Ils ont fait la traduque, c'est ça, ce que dit Sangoku, quand il fusionne avec Satan. D'ailleurs, j'ai vu ce que ça donnait en anglais, c'était horrible. La version américaine, c'est ignoble. Et je viens d'apprendre aussi que Dragon Ball Z Budokai 3 est de base... on a de base que la version anglaise. Donc c'est de la merde. Donc vous allez devoir vous boucher les oreilles des fois. Peut-être saigner un peu des oreilles. Quand je ferai sans doute un vidéo test sur Budokai 3 ou peut-être un défi. Ça sera ça, parce que sinon il y a la version où il y a les voix japonaises. Il y a eu quelques petits bonus en plus. Alors rien, ça doit être 4 personnages, puis c'est tout, 4 techniques en plus. Et si on peut faire les projections, comme vous pouvez le voir aussi. Et sauf que là c'est 40€ au lieu de 10€. C'est un peu plus. Donc bon, si vous détestez vraiment les voix américaines, vous pourrez acheter cette version. Carrément. Donc voilà pour la petite histoire, là je me défonce, je comprends rien à sa life. Je vais faire le Ultra Genkidama. Et après je vais vous montrer peut-être quelques techniques ouais, de Mister Satan. Mister Satan. Le satanique. Voilà, ça fait pas bien mal, hein, ça fait autant mal qu'un simple que le premier Genkidama. C'est pas non plus extraordinaire. C'est juste que Genkidama, il y a du sang, voilà. En fait, Monsieur Satan et Sangoku, en fait, ils ont pas pris l'énergie juste des terriens. Ils ont aussi pris leur sang, voilà. Ils ont un peu souffert, voilà, en donnant l'énergie et donnaient leur sang en même temps. Donc ça donnait ce super Genkidama de la mort. Qui tue tout. Allez, arrêtons de dire des conneries. Et je vais vous montrer les magnifiques animations de... Où est-il? Mister Satan, le beau gosse, l'ultime. Voilà, on a toutes les techniques. Ou la plupart. On va encore prendre Sangoku. Parce que Sangoku, il aime bien souffrir. La tour de gym. Et c'est parti. Bah, on peut tourner. Enfin, je sais pas si je sais plus si je jouais avec Dim, mais voilà. Bon, en temps de chargement, hein, pour passer le temps. Ah, je vais complètement défoncer sans faire exprès, parce que aussi, ouais, le stick C, ça nous permet de faire des techniques secrètes. Aïe. Là, c'est technique K. Oui, carrément. Ah, ça, c'est complètement du hasard, là. C'est, en fait, il y a deux projections dans cette arène. Il y a la projection quand on se fait défoncer tous les deux. Voilà. Les deux adversaires se font défoncer par la neige. Et il y a une projection où bah c'est juste celui qui est projeté qui souffre. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Dynamic Kick! C'est tellement la classe cette adage. Allez, je vais faire haute tension. Et voilà, un cadeau pour toi. C'est tellement bien animé. Attends, je vais enlever. J'ai enlevé l'affichage. Parce qu'on va pas dire que c'est magnifique. Et voilà, là... Sangoku va jouer à la Game Boy, mais il ne sait pas que c'est une Game Boy explosif. Boum, c'est un C4. Attention, Sangoku. Et aussi, il y a une technique qui ne sert pas à défoncer l'adversaire. Et elle sert juste à avoir... une meilleure puissance, lui gagner de 10% de puissance, ce qui sert à pas grand chose quoi. Mais attendez, c'était comment? C'est ça je crois, voilà. Mais la plupart des techniques se ressemblent. Bon, j'ai pas trop compris par contre le premier coup de poing où il a défoncé Sangoku quand même vers le bas. C'était dans les airs. C'était pas très logique. Voilà, là il prend photo. Voilà. Animation garantie dans ce Budokai 2. Les techniques secrètes sont tellement bien faites. Il y a aussi, je vais vous montrer peut-être ouais, la fusion Gotenks et puis après on s'arrêtera là. Et puis peut-être ouais, le tournoi et puis on s'arrêtera là. Le problème des fusions, c'est qu'on peut pas les utiliser par contre
au tournoi et aussi au mode histoire. Enfin, pas tout le temps en mode histoire. Mode histoire, on peut comprendre, mais le tournoi, bon, ça aurait été bien de l'utiliser. Je prends une Gauteng. Et voilà, fusion. Ouais, allez, on va prendre Sangwan. C'est plus au tour de Sangoku de souffrir. La planète Namek. Et on est parti pour défoncer Sangwan. Avec la fusion, attention, Gotrunks. Et ça, c'est pareil. Gotenks ou Gotrunks? J'ai un doute. Alors, on va enlever l'affichage comme d'hab. Et je vais vous montrer quand on se plante. Voilà, quand on se plante. Attention! Il y a carrément la tête de Piccolo là. Nani! En gros, c'est non! Qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, on devient Bouboule. Voilà, c'est vraiment la classe. Pierre Ménès est de retour dans Dragon Ball Z. Donc voilà, on peut balancer des Kikoa toujours, mais si on appuie deux fois sur X rapidement, il est épuisé. Et quand on fait un petit combo comme ça, après, pouf, à chaque fois, il est épuisé. Voilà. C'est assez marrant. Voilà. Donc ça donne beaucoup de zones d'ouverture pour l'autre adversaire. Et donc l'autre adversaire ne fera qu'une bouchée du petit Gotrunks. Tout à fait. Maintenant, on va vous montrer Gotrunks en mode vénère, attention. Franchement, les animations, la beignet galactique ou aussi les fantômes kamikazes, c'est franchement bien rendu. Je sais plus si j'avais dit, mais que... Si, je crois que je l'avais dit, que oui, la version GameCube est sortie en 2005 et la version PlayStation 2 sortie en 2003. Un truc du genre, je suis pas sûr pour la version PlayStation 2. Et on va... Allez, on va fusionner, on va réussir la fusion. Sachant qu'une fusion comme ça, c'est temporaire. Enfin, pas complètement, vu que là, ça va durer indéfiniment, vu que je suis en entraînement. Mais si j'étais pas en entraînement, ça dure aussi indéfiniment, sauf si je me fais toucher une fois et que j'ai plus de timer en haut là. Bah je perds la fusion si je tombe par terre comme vient de faire Sangwan. Ok, on va faire Beignet Galactique qui est super bien rendu. Avec les magnifiques voix de Jap qui vont me manquer parce que je les aurais plus dans Budokai 3. Si j'achète 30 euros de plus. Bon, faut bien souffrir dans la vie. Peut-être un peu baissé. Et voilà, Sangwan, il a rien compris à sa vie. Et on a aussi celle-là. Une attaque assez dure à faire quand même, parce qu'il faut faire YY, avance Y. Et A, et puis après X. Voilà. Donc là, quand je réussis, vous allez voir, ça fait l'attaque de base. Voilà, donc son Sangwan, pile quand il touche le fantôme kamikaze, explose. Comme l'indique son nom, kamikaze, voilà. Et il fonce dessus. Et quand on se plante, je vais vous montrer aussi. C'est vraiment bien foutu. Allez, je vais quand même essayer. Si, voilà. Voilà comment fera un vieux dans Dragon Ball. Voilà, là ils vont se faire un check. Et ils explosent. Enfin, et le fantôme explose. Donc voilà, beaucoup d'humour et sachant que voilà, je suis plus en mode fusion puisque j'étais par terre. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Pour les fusions. Il y a aussi une fusion avec... Ah, je voudrais vous montrer moi aussi la fusion avec... Oui, parce que là, je vous montre presque que des trucs inédits, attention. Fusion de Satan avec Sangoku, et maintenant fusion de... Je vous donne en mille. Tenshinhan avec Yamcha. Ok, alors... Non, c'est... Je crois que Tenshinhan, Yamcha... Je crois que c'est sur Yamcha que j'ai mis, non? Même pas. Bon, allez, je vais le faire avec lui. Avec Tenshinhan,
Fusion Yamhan. Vous allez voir, c'est assez stylé. Sachant que, bah, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un bon casting de personnages. Ils ont pris la plupart des personnages principaux de la série. Et ils ont été bien choisis, je trouve. Et je vais le défoncer un peu, voilà. Allez, on va se planter pour le plaisir des yeux. Voir un homme maigre. Voilà, c'est ignoble. Voilà. Voilà pourquoi faut pas être top model. Et donc à la place, lui il tousse. Au lieu de s'épuiser. Voilà, c'est assez comique. Voilà, on va refaire la même chose. C'est comment position de départ. Là, on peut, vous avez vu, on peut faire pas mal de choses. On peut même mettre la difficulté de l'IA. On peut mettre comme on veut. Donc franchement, comme main d'entraînement, c'est vraiment pas mal pour s'entraîner. Je vais enlever l'affichage parce que c'est moche. Et voilà, le beau gosse. Ah, il est à moitié rasé, quoi. C'est devant, c'est assez beau. Et voilà, Dodo Mpa, c'est assez puissant. Dodo Hamea, bah, c'est fusion entre Kamehameha et Dodo Mpa. C'est la classe. Et comme vous pouvez le voir, et bah, je ne perds pas de Kai. Enfin, c'est aussi timé, voilà. Et vous avez compris le truc. On va faire l'attaque volleyball. Parce que je vous en ai parlé, je crois, dans Tenkaichi 3. Cette attaque est tellement stylée. Jeanne et Serge, coup de foudre au match volleyball. Non, allez, j'arrête. Liste des techniques, il y en a peut-être une autre qui est pas mal. Point marteau, Sirius, je sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est la seule qui est vraiment intéressante à regarder. Parce que celle-là, oh pff, non, c'est du classique. Non, c'est le point en dessus, mais voilà, c'est la même chose. Avec un autre nom, c'est tout. Donc voilà, c'était la fusion de Tenshinhan avec Yamcha, voilà. Voilà à quoi il ressemble. Il a la calvitie. Et maintenant on va faire un championnat du monde. Initié. J'ai pas gagné le dernier là. On peut jouer jusqu'à 8 joueurs, je crois. Bien sûr, c'est chacun de le tour. Et on va prendre Sangohan, Ado. Il a trop la classe en Super Saiyan 2, voilà, qui a mis un père-fils. Aussi, quand on met deux fois la même technique, ça veut dire qu'elle est plus puissante que la technique de base. Donc, Kamehameha père-fils est très très puissante là. Déjà que de base elle est très puissante. Donc voilà. C'est bien japonisant. Japanese style. On va combattre dès le départ contre eux, bah son faveur, voilà, son père, tout à fait logique. Ouais, normalement, ça sera la finale, ça. Il y aura peut-être un deuxième Sangoku dans les parages. Bon, allez, on va le défoncer vite fait. Mince, lancer du dragon, et il y a des chops aussi, donc comme dans Budokai 1. Je vais me faire défoncer. Et les combos sont beaucoup plus faciles à placer que Budokai 1 aussi. Par exemple, là, le Kamehameha est assez dur à placer avec Sangohan Ado, alors que là, il est fastoche, quoi. Ça se fait direct. Ah, mais je veux me transformer, là. Là, ça fait tellement beau gosse. Merde. Prends ça, mais chiant. Mais crève. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on peut les projeter, voilà, à côté du ring. Tellement un beau gosse Sangohan. Et le problème de cette arène, bah, c'est que c'est assez relou, parce que voilà, quand on le projette, bah, on a gagné, quoi. Après, genre quelqu'un de bien plus fort qui se fait avoir par une ruse de l'autre qui est pas très doué,
Et genre, il lui restait plus qu'une barre rouge. Alors que le plus fort, lui, il était barre verte et tout. Et ben, il meurt direct par ça. Projection de ring. C'est un peu de l'arnaque, hein. Je vous conseille pas trop de faire le mode tourné. Bon, les Kamiamia, on les skiffe très facilement en faisant un pas de côté. Pas de côté, B en haut ou B en bas. Ça dépend de quel côté vous voulez aller. Et je vais essayer le Kamiamia père-fils. Si j'y arrive, je crois que c'est... Ah non, c'est la technique comme ça. Non, c'est pas possible. Pourquoi tu te défends toujours? Voilà, et là il est tombé. Bon, on voit... On voit l'animation des spectateurs, c'est pas très... C'est pas terrible. Alors, ça fait animé, mais c'est bien, mais... On va dire que, bon, c'est mieux... C'est mieux que le niveau de FIFA et PES. Je suis sûr que... FIFA et PES, là, les supporters... C'est du carton. Là, c'est déjà un peu mieux, c'est animé et tout. Enfin, et même sur PS4, ils font des trucs assez assez chelous. Donc, ils arriveront jamais à faire des beaux supporters, même sur une console surpuissante comme la PS4. Allez, je défonce notre pote Trunk, qui comprend rien de sa vie. Bon, là, ils sont pas très forts parce qu'on est en initié, en maître, ça doit être bien plus dur. Et voilà. Trunk contre Sangwan Ado. J'aurais dû prendre Sangoten en fait. Ça aurait été plus. Ça aurait été mieux niveau scénario. Ouais, il y a Trunk qui a envie de chier. C'est vraiment la classe. Oh, bah, ils font la même pause. C'est culte. Ah, mais je me fais défoncer. Petit morveux. Je suis plus vieux que toi. J'ai 7 ans et demi. Ah non, en plus il a 8 ans je crois, notre pote. Notre pote Trunk. Il a rien comprendre. D'accord. Grande impulsion. De battre sans me transformer. Oh purée, non. C'est ce fail. Voilà, c'est relou. Je dominais et comme par hasard, il s'est protégé. Et il m'a donné le coup de grâce avec Ring Out. Super. Purée, et en plus, dans l'autre vidéo, là, j'avais fini premier. Avec Sangwan Ado aussi. La première fois que j'avais filmé. Et que j'ai eu un problème magnifique. J'espère que j'aurai pas le même problème à la fin là. Mais bon. Donc voilà, je pense que je vous ai montré à peu près tout. Et je pense qu'on se retrouve. Même sûrement, on se retrouve pour un défi ultime, un let's play défi sur le Dragon World. Sur le scénario de Dragon Ball Z Budokai 2. Donc voilà, Dragon Ball Z Budokai 2, un très bon jeu de baston. Si vous l'avez pas. Et que vous avez une GameCube ou que vous avez une PS2, achetez-le. Et que vous êtes fan de Dragon Ball Z aussi, mais même quand vous n'êtes pas fan, ce jeu est tellement fun. Quand on joue à deux et tout, c'est pas rien sur Dragon Ball Z. Et c'est... Bah, de toute façon, les meilleurs Dragon Ball Z, c'est Budokai et les Tenkaichi. Voilà. Après, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus rien. Burst Limit ? Non, non, il n'y a plus rien. Non, et puis à l'époque aussi, il y avait les Dragon Ball Z, c'était un peu de la bouse. Les Super Butoden, c'est un peu de l'arnaque. Ou... Enfin voilà, là au moins, on a des vrais Dragon Ball Z. Sur 128 bits, il y a eu vraiment des très très bons titres. Que sur console HD, là, bon, peut-être que le dernier Dragon Ball Xenoverse sera mieux. Bon, j'attends qu'il baisse en prix, puisque 50€. Voilà, c'est un peu cher. C'est un peu cher payé quand même. Mais voilà, j'attendrai qu'il baisse et je pense que je ferai sans doute ouais des vidéos là-dessus, sur Dragon Ball Xenoverse. Faudrait, vu que c'est un espèce d'MMO, faudrait déjà que
que j'ai joué genre 10 heures avant. Pour m'y habituer. Parce qu'à ce qui paraît, c'est assez chaud de s'y habituer au début. Donc Xenoverse. Mais bon voilà, espérons que bah, Xenoverse soit un titre qui va me plaire. Moi je pense que ce sera un bon Dragon Ball, mais qu'en même temps il sera pas aussi bon qu'un Tenkaichi ou qu'un Budokai. Bah c'est ça mon avis. Donc sur ce, bah, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et pour le Let's Play défi, le team, le magnifique Let's Play Dragon World.